La bonne fée, Pôle emploi et camionneur. Comme ça, là, ouais, Roger, tu m'entends, c'est bon. J'étais camionneur. Ça, c'est de la bombe. Ouais, et après, je suis devenu ta fée parce que je t'aime. Non, mais je déconne. Hein. Non, c'est bon. C'est... Tu veux qu'on présente. T'as pas assez de filles, de toute façon, pour dire vers moi, c'est bon. On peut se présenter comme ça si tu veux, ça va. Enfin, ouais, non, j'étais camionneur avant, c'est bon. Un bon métier. Donc, camionneur. Alors, on va enchaîner avec notre deuxième pro-chevalier. Et c'est un groupe. De pro-chevaliers. Et pro-chevalières. Ah, oh, enfin. Ce sont deux filles qui font deux garçons. C'est ça, exactement. Alors, c'est un peu le cross-play, hein, du coup. Et est-ce qu'il y en a qui connaissent K-Project dans la salle? Oui. Trois personnes. Eh bien, c'est bien. Vous avez du goût. Eh bien, on va accueillir, du coup, Yata, Misaki et Fushumi Sarioko de K-Project. On applaudit dans le manga. Peggy 7. Mais on a droit à des chansons Disney avec ça, précisément. Soyez prêts pour le coup le plus génial. Soyez prêts pour le plus beau scandale. Wow, stop, on se calme, pas de scandale, on va se retrouver avec une nouvelle plainte sur le dos. Et tu veux qu'on fasse quoi? On peut le penser à la française? J'ai pas l'impression qu'on ait trop le choix. Je pensais pas que nous en ferait. Ah non, cette fois c'est toi qui joues ce rôle, hors de question que je me fasse la fille. Comme si tu pouvais t'opposer à moi si facilement. La folie des grandeurs n'est pas à la hauteur, tu n'es qu'un amateur. Ok, alors on a qu'à décider ça de manière égale. Très bien, si ça t'amuse. Pierre, pas votre décision. Ah, on t'écoute, princesse. Alors en plus de danser comme un phoque échoué, t'as la voix d'un Pikachu enroué. Ça va te faire voir. Non, attends, allez, le prends pas mal. Je partage ce moment avec toi pour me faire parvenir. Oh nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte. Bon, mais lâche-moi un peu, ok? Je pensais pas que je te faisais autant d'effets. Faut vraiment que t'arrêtes de te faire des films, hein. Je t'aime pas. Non, jamais je n'avouerai non. Merci. Je t'aime, mais comment lui avouer en secret mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Quel est le secret que je dis? Il y a tant de rancœur, mais je sais qu'il sera utile, règne dans mon cœur. Ah non, je peux pas, c'est trop bien, en premier lieu. Puis lâche-moi! Faudrait quelque chose qui fait le plus à ma personnalité. Quelque chose comme ça. Ça claquait. Oui, mais on s'est un peu éloigné de ce qu'on nous a demandé là. J'ai une idée de pourquoi je le sens mal. Il y a pas de besoin. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Il y a longtemps que je veux te demander cela. Tais-toi, est-ce que tu voudrais? Oui, quoi? Mais lâche ma main, bordel! Très bien. Allez, laisse-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? On en fait encore trop, donc on a intérêt à se barrer d'ici, vite fait et discret. Discret, avec tous ces gens qui nous regardent. On n'a qu'à sourire et faire coucou. Et on se dirige progressivement vers la sortie. Applaudis bien fort.